Amis ovaliens, amis ovaliennes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'Oval de Michigan pour la 72 Painting Yefian Rookies Series. Et nous sommes pour ce soir à la course numéro 5 de ce championnat des rookies. On se retrouve alors pour ce soir, les amis. Mon compère ne sera pas présent puisque David a d'autres impératifs. Donc, je vais essayer, tant bien que mal, de tenir un petit peu toutes les manettes, essayer de rien louper, de faire attention que la technique marche bien et qu'on puisse vous offrir le meilleur stream possible pour cette retransmission de cette course. Voilà, championnat qui a quand même bien, bien avancé puisque. Effectivement, comme je disais, nous sommes à la cinquième course. On a passé le cap un petit peu de la mi-championnat puisqu'il y a simplement sept courses. Donc, les choses commencent à se préciser pour les futures montées dans la série supérieure, c'est-à-dire sur Racing Ignite. Voilà, on va tout de suite un petit peu ensemble planter le décor au travers du classement. C'est vrai que la semaine dernière, on avait eu aussi la course. Bon, je n'ai pas pu la streamer. Vous avez peut-être suivi un petit peu les résultats. Donc, on va tout de suite aller jeter un petit coup d'œil au classement général de cette YFRN série rookie. Voilà, avec en tête toujours devant Matisse Herbert avec 4 courses, 4 victoires, qui sera une des grandes inconnues et interrogations de la course. Va-t-on assister encore à une nouvelle victoire? Est-ce que quelqu'un va venir contester ça? On le verra, mais ça nous promet sûrement du beau spectacle. Deuxième position pour Jérôme Durand qui est à 24 points. Derrière Matisse. Troisième position pour Arnaud Barrios qui a gagné 2 places suite à la dernière course qui pointe à 25 points derrière. C'est un petit peu serré. Ensuite Thierry Despoix à la 4e place mais qui ne roulera pas ce soir d'après les infos que j'ai recueillies. 5e place pour Damien Clavet à 37 points. Voilà pour ce top 5 effectivement. Voilà, il y a un petit peu un petit gap, un petit écart effectivement entre Matisse et Jérôme et ses poursuivants. Voilà, c'est assez serré pour la 2e place. Voilà, Arnaud Barrios ne sera pas là non plus ce soir. Donc voilà, ça va un petit peu se jouer peut-être sûrement entre ces deux pilotes, on va voir. Mais c'est vrai que si Matisse ne fait pas d'erreur, voilà, logiquement, peut-être ce championnat ne devrait pas lui échapper. Voilà, ce résultat, un petit peu ce soir après course, on verra un petit peu et on refera le point. On continue, 6e position pour François Besse de la SBG Motorhead Racing, 7e position pour Pierre Martin, on le verra, qui est aussi le leader du classement rookie, qui pointe à la 7e position de championnat, 8e position pour Benjamin Duchesne, qui a gagné 3 places suite à la dernière course aussi, 9e position pour Loïc Trocmé, 10e position qui clôture le top 10 pour Jérôme Poisat. On continue à dérouler, 11e position pour Pascal Paquet, 12e position pour Thomas Boivin, 13e position pour Maxime Mallet, 14e position pour Dany Momi, et 15e position pour Marjorie Raoli. Allez, on va défiler un petit peu. Il y a quand même pas mal de monde dans cette série. 16e position pour Yann Buisson. 17e position pour Xavier Pic. 18e position pour Florent Klutzmann. 19e position pour Coralie Gauthier. Et qui clôture le top 20, Philippe Devalet. 21e position pour Jérôme Demoura, 22e position pour Damien Pribeski, 23e position pour Thomas Pierce, 24e position pour Marco Russo, 25e position pour Mathis Thévenin qui a gagné 6 places à noter suite à la dernière course, 26e position pour Yannick Göring, 27e position pour Eric Ramirez, 28e position pour Laurent Delahaye, 29e position pour Jim Bouvier et top 30 Thomas Dary. Voilà, il ne reste plus que Laurent D'Agostin en 31e position, 32e position pour Olivier Salfranc, 33e position pour Jordan Ledirache et qui clôture ce classement, 34e position pour Julien Haguenau. Et vous voyez, effectivement, pour les pilotes de fin de classement, voilà, il n'y a pas beaucoup de courses, ce qui explique aussi ce classement de cette position, du moins en fin de classement, bien entendu. On passe ensuite au championnat rookie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Pierre Martin de la Wildcat Racing mène ce classement rookie. Deuxième position pour Maxime Mallet qui a gagné 2 positions suite à la dernière course. Enfin, vous me direz, voilà, c'est ça. Qui pointe à 9 points derrière Pierre Martin. Donc, c'est quand même assez serré. Sachant que Pierre Martin, oui, je crois que ce soir il est présent, il roule. Maxime Mallet, j'ai un petit doute. Je crois pas qu'il roule. Donc, voilà. Pierre Martin peut faire un petit peu la différence. Dany Momi, c'est pareil, je ne l'ai pas encore vu sur les inscriptions. Il reste encore un petit peu de temps pour qu'il puisse se connecter. Xavier Pic,
Lui sort en quatrième position de ce classement rookie. Jérôme Domora, cinquième position. Sixième position pour Damien Pribeski. Septième position pour Thomas Pierce. Et huitième position pour Laurent Dacosta. Donc je disais, donc Pierre Martin, effectivement, pas de souci, il est inscrit ce soir, donc il va pouvoir conforter son avance ou pas au niveau de ce championnat. Maxime Mallet, effectivement, je ne l'ai pas vu encore connecté, donc à mon avis, il ne l'aura peut-être pas ce soir. Danny Momi, même opération, je ne l'ai pas vu dans les inscrits. Donc c'est vrai que ça va faire les affaires de Pierre Martin ce soir. Xavier Pic, c'est pareil, je ne l'ai pas encore vu sur mes chronos, donc il va peut-être pas tarder. Aussi, Jérôme Demoura non plus, Damien Pribeski, il est présent. Voilà, donc il va peut-être pouvoir faire un petit resserrement dans ce classement. Thomas Pierce, je l'ai vu, il est présent me semble-t-il ce soir, et encore j'ai un petit doute. Voilà, on verra ça un petit peu plus tard. Et enfin, Laurent Agostin qui n'est pas là non plus. Donc voilà, pour le classement rookie, donc ça veut dire qu'effectivement, bah, pour Pierre Martin, bah, la porte est grande ouverte pour marquer et maximiser un petit peu cette course. Ensuite, le classement par équipe, toujours mené par la 7 Junior Racing Team, qui a 54 points d'avance sur la Wildcat Racing. Troisième position pour la Toonscar, à 80 points, qui a gagné 2 places à noter par rapport à la dernière course. La SBG Motorhead Racing pointe à la 4e place. Cinquième position pour la Manekin Eco Racing. Sixième position pour la SBG Climister Motorsport. Septième position pour Hypermotor Touring. 8e position pour la Kraken Racing, 9e position pour la SBG Team Evo Simu, et enfin, qui clôture ce classement par équipe, la RBS Motorsport. Voilà, mais ils n'ont pas fait beaucoup, je pense, de courses aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Petit point sur les licences, pas grand monde qui est en danger, peut-être Monsieur Philippe Devalet, effectivement, on peut voir ici qu'il lui reste que 6 points sur sa licence. Donc d'être peut-être vigilant par rapport à cette course, ne pas perdre des licences et pas perdre des points potentiels au championnat, hein, tout simplement. Donc voilà, pour avoir planté un petit peu le décor, on va revenir effectivement sur la course de ce soir qui nous intéresse. Effectivement, comme je vous disais, donc on est sur l'Oval de Michigan. Alors je vais être obligé de faire la partie technique, hein, puisque David n'est pas là. Donc vous pouvez le voir au niveau du tracé, on est sur un speedway, ou car presque un super speedway, puisqu'effectivement à Michigan on va aller quand même très 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 vite. On n'est pas très loin, un petit peu plus des 300 km/h en vitesse de pointe, c'est quasiment presque comme un super speedway. On va parcourir 80 tours de cet ovale qui mesure 2 miles, c'est-à-dire 3,2 km. Vous le voyez un petit peu au niveau des conditions météo, 24 degrés dans l'air, 25 sur la piste, donc il fait pas forcément trop chaud, donc ce qui veut dire que ça glissera peut-être pas trop, mais voilà, on peut toujours se faire piéger au niveau du vent. C'est toujours pareil, comme on dit souvent, pas de quoi fouetter une mouette comme d'habitude. Voilà, petit peu pour la présentation très générale de cette cinquième manche. Voilà, on a encore un petit peu de temps devant nous. Et bien écoutez, ce qu'on va faire, j'ai réussi à rentrer dans mon baquet, je suis passé par la fenêtre comme vous le savez sur ces voitures de NASCAR, et puis on est parti pour un petit tour de circuit de découverte de Michigan sur les différentes caméras embarquées. Voilà, allez, sortie des stands, on le verra, une ligne droite des stands qui est assez longue. Voilà, on va faire notre petit tour de lancement sur cet ovale. Voilà, pas trop franchir encore une fois la ligne jaune sur risque de pénalité de drapeau noir. Bien attendre le cône bleu pour pouvoir s'engager sur la piste, on va dire, principale dans le flow stretch, la ligne droite arrière. Pof, voilà, et on peut remonter sur l'ovale. Et on peut s'élancer en allant chercher généralement le mur le plus à droite possible. Voilà, et on va arriver sur le virage. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, la piste est quand même très large. On verra pour les trajectoires, on va avoir des trajectoires un petit peu différentes. Voilà, on est parti pour le premier tour. C'est parti, on arrive dans le temps 1. Voilà, où généralement on va légèrement peut-être relâcher pour le début, pour que l'on se frappe, pour mettre un petit peu plus à fond au niveau des pédales. On va se faire surprendre, ça glisse un petit peu, donc on ne sent pas trop chaud. Voilà, sur la ligne droite arrière, on s'est un petit peu mieux. On aura aussi un peu des phénomènes de draft, je pense, sur ce circuit, sur les côtes, dans l'est, à l'entrée du Détroit, une opération soulage, je vais l'air légèrement. Et on essaie de réaccélérer.
sur le mur extérieur. On verra aussi peut-être ici certains pilotes vont couper la ligne blanche pour essayer de gagner un petit peu de temps. Attention aussi, bien sûr, le bal. On va se faire piéger là-dessus. Voilà, on va terminer le tour 1, on va arriver dans le tour 3. On va se faire entrer au pit comme d'habitude. Donc voilà pour cet ovale. Donc on va faire le tour grosso modo entre pour les meilleurs. Alors je vais être assez large, hein, entre 40 et 41 secondes pour les meilleurs et, dans les parties qualification. Donc, on va un petit peu plus, 2 par 3 secondes autour en fonction des mesures des pneus. Voilà, entrer les stands, être vigilant aussi, attention à la vitesse, pas arriver trop fort sous peine de se prendre un drapeau noir et donc une pénalité qui peut être assez handicapante bien entendu. Voilà, donc je vous le disais, la ligne droite des stands est assez longue, donc bien être vigilant sur la vitesse et puis bien viser son box, pas louper le box, pas écraser les mécanos, ça serait bien. Ah, voilà, j'ai essayé, au moment j'ai écrasé personne, donc ça s'est pas trop mal passé. Donc voilà pour ce petit tour de Michigan, découverte de ce circuit. On rappelle effectivement qu'on est sur championnat IFRN pour ceux qui viennent de nous rejoindre. D'ailleurs, je salue un petit peu tout le monde qui est arrivé. Merci à vous de votre présence. Voilà, si vous découvrez, et ben voilà, nous sommes sur des courses de NASCAR, de courses de voitures américaines, qui se courent généralement sur des ovales, mais pas que. Mais pas que, puisqu'on a aussi parfois certains circuits qui sont en road, ce qui est un petit peu la tendance. Voilà, on vous rappelle aussi que sur cette série, c'est une série qui est totalement gratuite pour la série Rookie. Il y a 4 saisons qui se font par an, hein, voilà, avant les vacances, on va dire 2 saisons. Donc c'est des mini-championnats, vous voyez, de 7 courses généralement, qui permet de voir et d'essayer si ça vous intéresse. Donc de venir tenter l'aventure, n'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit et plus on est nombreux, plus c'est sympathique, dans un super esprit, bien entendu. Voilà, allez, que dire, il est 21h, voilà, les protagonistes sont normalement, je dirais, en place. Logiquement, pour l'instant, on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Alors, faut pas que je me trompe dans mes boutons, bien entendu. Voilà, donc vous avez pour l'instant donc 24 pilotes qui sont enregistrés. Je parlais tout à l'heure de Laurent D'Agostin. Ben, effectivement, je viens de voir qu'il est connecté, donc il va pouvoir le faire. Thomas Pierce aussi. Voilà, j'avais un petit doute. Danny Momi est là. Donc voilà, tout le monde est là pour essayer de venir défendre ses chances. Voilà, avec une inconnue, je vous le disais ce soir. Est-ce que quelqu'un va détrôner Mathis Herbert? Puisque 4 courses pour l'instant et 4 victoires pour Mathis. Est-ce que quelqu'un va l'empêcher de continuer cette série qu'il nous avait annoncé déjà dans notre live et dans les différentes retransmissions, hein, là-dessus. Voilà, je pense qu'on n'est pas loin. On le voit un petit peu, vous voyez, sur les chronos de practice. Hein, c'est Mathis pour l'instant qui tient le plus beau chrono, donc entre 40 secondes, .122, suivi de très près par Florian Kunzmann qui est à 40 secondes, 132. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. Arnaud Barrios qui est là aussi, ben vous voyez, j'avais dit qu'il n'était pas là, donc tant mieux, et ben les amis, ça nous permet de nous dire qu'il y aura une très grosse bagarre. Vous le voyez, les 3 premiers se tiennent en 0,02 seconde. Donc voilà, on est très poche sur le circuit, tout simplement. On va essayer, et ben on va faire honneur au leader du championnat qui est en piste actuellement, qui est en train de faire les practices. Voilà, essayons peut-être d'améliorer, de faire un petit peu les tests au niveau des pneumatiques. Je rappelle qu'il n'y a pas de limite au niveau des changements de pneumatiques, hein, sur la série Rookie. On va parcourir 80 tours. Alors moi, je n'ai pas forcément l'information. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on est capable de faire la course complète avec ce qu'on a dans le réservoir. J'aurais tendance à dire que non. Voilà, je pense qu'il faudra au moins un pit, tout simplement. Je vois qu'il y en a qui a déjà qui s'amusent un petit peu sur les pronostics des yellow. Vous avez raison, hein, pour Terry, voilà, qui nous dit 3 yellow ce soir. Eh bien, écoute, rendez-vous à la fin pour savoir si tu auras le bon compte, s'il y en aura plus ou s'il y en aura moins. Alors, c'est vrai que la piste est quand même relativement large, donc elle n'est pas forcément propice à ce qu'il y ait trop d'accrochage.
ou de problématiques de freinage, puisqu'on a plutôt tendance à moyenne à être à peu près à 95% sur, je dirais, l'accélérateur. Hormis dans les virages, on va soulager un petit peu. Mais là, on a sur une bonne gestion à faire, voilà, sur les sorties de virage et l'usure des pneumatiques qui peut être problématique, qui pourra peut-être entraîner effectivement des neutralisations, c'est-à-dire des drapeaux jaunes dans cette série. Voilà, il est 21h03. Voilà, les qualifications sont prévues à peu près dans 6 minutes. Voilà, je disais que nous avons effectivement. Alors, il est où Florian? Que je ne me trompe pas dans mes petits boutons. Voilà, Florian qui, lui, pour l'instant, a le deuxième temps provisoire de cette séance de practice. Ensuite, on a Arne Barrios, voilà, qui est en train de s'arrêter. Eric Ramirez, quatrième temps des practices. Voilà, alors c'est vrai que la plupart des pilotes sont pour l'instant sur des runs assez courts. Voilà, un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, grand au maximum pour aller chercher un petit peu les chronos. On est sûrement dans une phase où on teste un petit peu la qualification pour essayer de partir du plus haut du classement pour cette cinquième manche de la 72 Painting FRN série rookie. Voilà, on va continuer à dérouler. Je parlais d'Eric Ramirez en cinquième position, de Matisse Thévenin en termes de chrono, avec un chrono de 42,136. Ensuite, on a Jérôme Durand, voilà, qui est arrêté au pit pour l'instant, qui est en 40,294. Septième position pour Thomas Pierce, avec un chrono de 43,104, qui rentre, effectivement, vous le voyez ici. Voilà, ensuite, on a Thomas Boivin en 8e position, 43,109 de chrono. On a une 9e position pour Dami Momi, 43,149, et qui clôture le top 10 provisoire de ses practices, Thomas Larry, avec un 40,403. Donc vous le voyez, sur le top 10, ça se tient en 3 dixièmes. Voilà, autant vous dire que les places vont être chères pour cette grille de départ. Voilà, les pilotes ont à cœur de partir parfois le plus haut possible. C'est vrai que plus on est haut, plus on a de chances de passer au travers des incidents ou des accidents dans certains cas. Alors c'est pas non plus une vérité. Hein, mais d'un point de vue de probabilité de statistique, quand même plus sympa. Voilà, on va signaler que nos deux féminines, bien entendu, sont présentes. Hein, Coralie Gauthier et Marjorie Raouli. D'ailleurs, hop, je ne sais pas si elle est en piste. Non, elle n'est pas en piste. Et notre Coralie, qui, elle, n'est pas en piste non plus. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Effectivement, je vois qu'on a la présence aussi de Olivier Salfranc. Alors, pour information, et sur les administrateurs, pour Olivier Salfranc, suite à la dernière course, il devra de mémoire. Alors, je vais tout de suite aller vérifier pour pas vous dire de bêtises, mais voilà, il devra partir des pits pour cette course, hein, donc pas de qualif pour lui, ou s'il fait le qualif, il partira en décalé. Et puis on a eu aussi un avertissement pour utilisation non réglementée, on va dire, dans le Discord de Marjorie Raouli. Donc voilà pour les infos que je pouvais vous donner au maximum sur cette course qui s'annonce palpitante vu les chronos qu'on a en practice. Et ben effectivement, il va y avoir sûrement du spectacle. Voilà, en espérant du beau spectacle, pas trop de hachures au niveau de la course. Allez, on va essayer de dérouler un petit peu. Vous voyez les pilotes qui sont en piste. Voilà, on est à 3 minutes du lancement des qualifications. La pression monte. La bonne pression, nous espérons. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans le chat. N'hésitez pas, voilà, à apporter vos commentaires. Parfois, vous avez des petites infos, donc n'hésitez pas si moi je loupe des trucs aussi.
C'est toujours sympathique. Voilà, et puis ben, pour ceux qui redécouvraient peut-être la course par le biais de YouTube, n'hésitez pas, le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça permet aussi de monter un petit peu dans les classements pour faire connaître un petit peu cette ligue IFRN, ligue de NASCAR francophone, qui est là depuis un bon petit moment, voilà, avec à peu près 130 pilotes d'inscrits répartis sur les 4 séries. Hein, la série principale, je le rappelle, qu'on appelle la Cup, Nestel Cup, etc. Ensuite, vous avez la série Access, Hades Technology, etc. La troisième série qui est l'Ignite avec le truck. Et pour terminer, eh ben, la série des Rookies que nous vous proposons ce soir en diffusion pour cette cinquième course, cinquième manche de ce championnat. Alors j'aurai des petits creux, vous m'en voyez pas, hein, je vais boire un petit coup, pas trop m'assécher la gorge de temps en temps. Hein, donc s'il y a des blancs, vous inquiétez pas, je sais pas que je me suis endormi. Voilà. Alors à noter aussi que peut-être David nous rejoindra un petit peu plus tard dans la soirée en fonction un petit peu de ses impératifs. Il aura peut-être nous faire un petit coucou. Voilà. Donc on verra ça si c'est le cas. Allez, 1 minute 30 en vent. Le lancement des hostilités, si j'ose dire. Voilà, on a pas mal de pilotes sur la piste qui profilent leur dernier réglage, leur dernière sensation pour bien se placer. Alors je dis réglage, je peux en exagérer, j'exagère un petit peu puisque vous le savez aussi, sur l'IFRN, le principe c'est que tout le monde roule avec les mêmes réglages sur les voitures. Voilà, il y a quelques paramètres qui peuvent être changés. 3 paramètres seulement peuvent être changés sur cette voiture. Alors, grosso modo, on va faire le rayon de braquage, le steering ratio, d'accord, ce qu'on appelle le offset, le décalage du volant, et puis la répartition en fait, du freinage entre la balance avant et arrière. Donc ça, bah, ça peut être modifié avant, et ça peut aussi être modifié pendant, alors surtout pour la répartition du freinage pendant la course, les pilotes ont cette possibilité aussi, on-board, à l'intérieur, effectivement, de faire des petits réglages de ce paramètre, s'ils ont besoin d'ajuster le petit truc. Allez, ça commence à s'écrémer un petit peu sur la piste. Effectivement, on est à 10 secondes du lancement de ces qualifications. Donc, on va patienter et voir un petit peu ce qui va en être. Ça nous donnera la tendance. Vous voyez, on est en drapeau rouge. Voilà, la session est clôturée. Et on va passer à la session de qualification. Je le rappelle, 2 tours lancés chronométrés pour faire le meilleur temps possible pour bien se placer sur la grille. Allez, les qualifications sont parties. On a 5 minutes pour faire ces 2 tours avec le tour de lancement. Voilà, je vois qu'il y a déjà des pilotes qui sont en train de prendre la piste. Allez, on a Damien Clavet qui est le plus avancé, on va dire, sur l'ovale. Voilà, qui est suivi derrière aussi en termes de position par Thomas Pierce. Voilà, donc Damien qui va peut-être pouvoir dégainer les premiers chronos. On va voir ça. Alors, je surveille ceux qui avaient des temps un petit peu les practices les plus importants. Allez voir s'ils vont réitérer la même chose. Voilà, Damien qui entame son premier tour chronométré. Voilà, on va voir qui va dégainer en premier. Allez, salut Eric aussi, salut Fait d'hiver, effectivement, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream. Merci à vous d'être là pour cette cinquième manche de l'IFRN série Rookie. Allez, Damien qui va en terminer avec son premier tour, on va voir les premiers chronos qui vont commencer à tomber.
Allez, Damien qui fait le premier tour en Quintéen. Voilà, et ça dégaine tout de suite derrière Jordan Le Dirache qui prend la pole provisoire. Voilà, est-ce que Matisse. Voilà, Matisse est en train de sortir. Florian est déjà en piste. Est-ce qu'Arnaud Barrios aussi? Arnaud ici en pole. Voilà, bah écoutez, il vient de signer la pole provisoire derrière, juste devant Pierre Martin. Allez, ça dégaine dans tous les sens pour l'instant. Arnaud qui tient la pole, Pierre en deuxième position, Jordan troisième position, Thomas Pierce quatrième, Yannick Göring. Voilà, sachant que Matisse, voilà, est en piste, on va le suivre, voir s'il va mettre tout le monde d'accord ou pas. Allez, c'est le suspense pour l'instant. Ah, pas de changement pour l'instant dans le top 5. Si Florian Kuzmat vient de s'intercaler, Thomas Boivin aussi. Ils ont repoussé Jordan et Thomas Pierce à l'extérieur du top 5. Allez, Matisse. Alors, je crois qu'il est sur son premier tour lancé. Si je dis pas de bêtises, on va voir en termes de chrono ce que ça donne. Si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est son premier chrono. Voilà, il est à 3 dixièmes. Voilà, donc là, c'est le deuxième tour. On va aller voir s'il va aller chipper, subtiliser la pole à Arnaud ou pas. Voilà, les choses semblent un petit peu se figer devant. Donc, il reste Matisse, effectivement, qui a cette possibilité peut-être d'arracher la pole ou pas. Suspense. Encore un virage. On sort du T4 ici pour Matisse. Soigner sa relance, que ça glisse pas trop pour perdre de temps. Voilà, généralement, on va couper l'intérieur pour essayer de grappiller quelques millièles, quelques dixièmes de seconde. Et ça donne quoi? Résultat, eh ben, il améliore, mais pas suffisamment. Et il pointera à la cinquième position de ce classement. Voilà, il nous reste quoi? Allez, il reste 45 secondes. Il y a encore du monde en piste. Normalement. Voilà, on a Loïc Tromé qui est encore en piste. On a aussi Eric Ramirez. Ouh, ça freine, donc ils viennent de terminer. Et Loïc qui doit terminer aussi son dernier tour chrono. Voilà, il reste 25 secondes. Donc on était limite, limite. Matisse Thévenin aussi qui en termine. Allez, il reste plus que quelques secondes et je crois que la grille va être en Tyrénées. Matisse qui fait et qui termine, voilà, juste avant le chronomètre et qui prend la septième position. Voilà, en repoussant un petit peu certains concurrents directs, tout simplement. Et ben voilà, les amis, les hostilités ont été déclenchées. Quelques bonnes performances, effectivement. On va pouvoir récapituler ça. Hein, on va attendre que la session se termine. Et on va pouvoir récapituler, effectivement. Allez, on va passer sur la session course. J'espère que je ne vais pas trop bugger. Allez, eh ben écoutez, on va y aller, on va défiler cette grille de départ. Donc en pole position, nous avons Arnaud Barrios suivi sur la première ligne de Pierre Martin. Une première ligne totalement Y4 Racing. Troisième position, Jérôme Durand. Quatrième position pour Florian Kunzmann. Cinquième position pour Matisse Herbert. Hébert, pardon. Sixième pour Thomas Boivin. Septième pour Matisse Thévenin. Huitième position, Jordan Le Dirache. Neuvième position pour Eric Ramirez. Dixième position pour Thomas Pierce. Voilà pour le top 10. On continue à dérouler. Onzième position pour Thomas Dary. 12e position pour Dany Momy. 13e position pour Loïc Trocmé. 14e position pour Yannick Göring. 15e position, Maxime Mallet. 16e position pour François Besse.
Jérôme Poisat en 10e, 17e position, 18e position pour Damien Clavet, 19e position pour Pascal Paquet, 20e position pour Marjorie Raoult, 21e position pour Marco G. Rousseau. Ah bah là, il est là aussi, je pensais qu'il n'était pas là. Voilà, 22e position pour Philippe Devalet, 23e position pour Laurent Dacostin, 24e position pour Coralie Gauthier, 25e position pour Olivier Salfranc, mais je rappelle qu'il doit partir normalement des stands, 26e position pour Damien Pribeski et 27e position pour Laurent Delahaye. Donc voilà, donc on a quand même un field à 27 pilotes, donc c'est super, il y a du monde, on va avoir du spectacle, je le sens les amis, on va se régaler, restez avec nous. Ah, ça promet de belles batailles, de belles bagarres. Voilà, on est à quelques instants du départ de cette cinquième manche. Donc, de l'IFRN, effectivement, 72 Painting Rookies Série, cinquième course sur l'Oval de Michigan, que l'on va donc parcourir 80 fois. Tout simplement, salut à tous, je vois dans le chat, soyez les bienvenus. Vous allez rien louper pour le départ, vous êtes arrivé au bon moment. Bien entendu, comme je disais, donc on est parti pour 80 tours. Donc j'ai pas eu l'info, j'ai pas bien regardé au niveau du chat, effectivement. Voilà, si quelqu'un a l'info, tout simplement sur l'autonomie, je pense qu'il y aura au moins un arrêt. Alors s'il y a du yellow, il faut s'y attendre à ce que ça s'arrête, bien entendu. Mais dans le principe, on devrait avoir ça. Allez, les amis, on est à quelques instants du départ. C'est Arnaud qui va lancer la course. Le Pescar s'efface. Et attention. Drapeau vert, les amis, c'est parti. Ouh, il y a des décalages derrière. Ça va faire plaisir aux admins. Ouh, ça part derrière, ça part, effectivement. Ouh là là, on va aller voir ça de plus près. De qu'est-ce qui s'est passé là-bas derrière. On va essayer de revenir un petit peu plus loin. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par ici? Alors, on voit bien le décalage ici à l'intérieur. Et ça touche, ah là là, effectivement, au niveau des pilotes, je vais remonter un petit peu, je fais un petit peu l'arrache. Comme je suis tout seul, ne m'en veuillez pas. Hop. Alors, ça va être... c'est compliqué, hein, c'est compliqué quand la technique ne veut pas marcher. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, hop. Voilà, bon, on est toujours heureux, donc c'est pas Arnaud. Bien entendu... Est-ce que je vais avoir les infos qui vont m'être données? Pour l'instant, je n'ai rien. On va faire ça. Allez, hop, c'est reparti. Bon, et ben on n'aura pas été bien bien loin, les amis. On n'aura pas fait un tour. Il y a déjà un drapeau jaune. Alors, je vais essayer de voir ce qui s'est passé. Alors, est-ce que on peut revenir par là? Non, ça va pas le faire. Quand le logiciel veut pas, il veut pas, hein, les amis. Bon, c'est la technique, hein. Forcément, quand je suis tout seul, c'est plus compliqué d'avoir les yeux un petit peu de partout. Alors, comment on peut faire? Ok, ok, ok. Eh bien écoutez, je vais peut-être le retrouver tout à l'heure, ça sera peut-être affiché. Ça s'en va. Donc normalement, me semble-t-il qu'il y a eu un problème avec Monsieur Devalet. Est-ce que on peut rembobiner ici? Je fais un petit peu à l'arrache, hein, les amis. Voilà. C'est peut-être là. Voilà, je viens de le retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé au lancement? Voilà, Philippe Devalet, effectivement, qui... prend l'intérieur. Ah là là, ça va pas faire plaisir aux admins. Là, on les rappelle, il faut garder sa ligne tant qu'on n'a pas passé la ligne de départ. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
à sa touche. Voilà, effectivement, pour le 191, c'est-à-dire François Besse, forcément, et ça s'empale derrière. Philippe Devalet arrive, effectivement, et tout le monde est pris derrière dans ce crash. Effectivement, allez, merci Fait divers pour la petite info. Voilà, ouf, l'arrière de Philippe qui a un petit peu décollé. Bon, et ben voilà, on voit tout de suite ce qui s'est passé, effectivement, et Philippe qui est au stand depuis un bon petit moment, hein, depuis 1 minute 43. Donc forcément, la course va être compliquée pour Philippe. Bon, et ben écoutez, il n'aura pas fallu longtemps, hein, pour qu'il y ait un petit peu du grabuge. Voilà, premier yellow au bout de 0,5 tours. Et quand je dis 0,5 tours, j'exagère, puisque je crois que certains n'avaient même pas passé quasiment la ligne. Que le drapeau jaune est sorti. Qui nous avons aussi, nous avons Olivier Salfranck qui effectivement lui aussi est dans les stands. Non, il est ressorti. Ouais, il est resté 2 minutes effectivement puisque lui il est parti des stands. Donc du coup, bah, il fait la bonne opération puisque ça va me permettre de recoller sur le field. Et de pas trop perdre de temps, puisqu'effectivement, si ben, le peloton aurait été lancé, ben, il aurait eu un petit peu plus de mal. Donc, on va dire pour lui, c'est pas une mauvaise opération. Allez, salut à tous, qui j'ai pas salué, salut Albatros, salut Fred, salut David le Nascarien, etc. Bienvenue à vous, salut Zebra, oh, Zebro 73, voilà, merci à tous d'être là, vous êtes déjà nombreux sur le stream, ça fait plaisir. Et j'espère que vous êtes arrivés depuis un petit moment, puisque bah, les hostilités sont parties très très vite dès l'entame du tour de lancement. Nous avons eu notre premier drapeau jaune qui est intervenu dans cette course. Allez, on va repasser, ça va repartir. Allez, j'espère que les pilotes vont être prudents, qu'ils vont bien garder leur ligne encore une fois. Le Pescar s'efface. Allez, allez. Allez, c'est parti, deuxième relance. Espérons que les esprits sont un peu plus calmes et ça garde mieux sa ligne. Donc c'est un peu mieux, ça a l'air de mieux se passer ici. Effectivement. Allez, tout le monde a l'air de prendre un petit peu le départ sagement. On va reprendre un plan large. Arnaud qui a gardé sa première position, suivi de Pierre Martin, Jérôme Durand, Florent Kuzman et Mathis Herbert. Et voilà, le top 5 n'a pas changé. Les choses se mettent en place tout doucettement. Effectivement, on le voit dans le chat, effectivement, des dépassements avant la ligne, c'est ce qu'on signalait, voilà. Il va y avoir sûrement peut-être des pénalités qui risquent de tomber. Allez, Arnaud qui boucle son premier tour, suivi de Pierre Marchand, Jérôme Durand, Mathis Herbert qui vient de gagner une place. Essayer d'aller rejeter un petit coup d'œil sur le dépassement de Matisse, voilà, sur Florian ici, vous allez le voir. Hop, il lui refait l'intérieur et voilà, il prend la quatrième position. Allez, on revient au live. On est toujours avec Matisse en quatrième position. On a Jérôme Poisat aussi qui est passé à P14, Jordan Dudirache qui est passé en P9 devant Eric Ramirez. Et Matisse qui s'est attaqué aussi à Pierre Martin qui vient de le passer. Mais Florian aussi qui essaie de faire la même chose sur Pierre pour la quatrième position.
Marchand qui a perdu 3 places depuis le start, qui avait fait une bonne qualif, mais voilà, soit un petit peu départ prudent pour Pierre. C'est peut-être de gérer les gommes au cas où il y avait un long run, mais qui voilà, qui vient un petit peu titiller Florian pour essayer de reprendre le gain de cette 4e place. Voilà, le field a l'air bien sage en fil. Voilà, il y a des batailles un petit peu à tous les niveaux. On va rester un petit peu ici. Pierre qui se fait attaquer par Thomas. Non, oui, non. Alors, on verra peut-être des trajectoires un petit peu différentes avec le temps, oui. Hein, des trajectoires un petit peu plus basses, des trajectoires un petit peu plus hautes sur l'ovale. Descente, ça m'a l'air un petit peu chaud ici au niveau Thomas Pierce derrière avec Eric Ramirez. On est dans sur la 8e position. Voilà, devant, ça a l'air à peu près en ligne. À Thomas qui est très 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 haut sur l'ovale par rapport aux autres pilotes. Eric qui va essayer de lui faire l'intérieur. On va regarder ça du toit. Allez, tenez les casquettes les amis, ne perdez rien en route. Eric a perdu un petit peu de terrain. Allez, Arnaud qui est toujours le leader de cette course avec plus d'une demi-seconde d'avance sur Jérôme Durand. Mathis Hébert qui pointe à la 3e position. Alors je jette un petit coup d'œil au niveau un petit peu des chronos. Ouais, ils sont à peu près, voilà, c'est bien. Arnaud qui a les chronos les plus rapides. Voilà, Mathis semble pas forcément revenir pour l'instant. Est-ce qu'on est aussi, on est dans une gestion? Peut-être, c'est possible. Ensuite, Florian Kuzman pointe en 4e position et clôture le top 5, Thomas Boivin. Voilà, mais c'est chaud ici. Là, il va se faire attaquer, je pense, par Pierre Martin. Est-ce que ça va passer ou pas pour Pierre? Non, il se range. Voilà, là, on a une grosse bataille là entre 3-4 pilotes. Et même 5-6 pilotes, sa bataille, sa zigzag. Ouh là 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 là. Mathis Thévenin qui essaie de faire l'intérieur à Pierre. Ça va passer, je pense. Ouais, c'est passé. Voilà, Pierre qui a dégringolé là sur ce coup-là. On va revenir sur eux parce que c'est vraiment que là, c'est vraiment le point chaud ici. Ça sort, ça commence à sortir là. Ça risque d'aller frotter les murs aussi. Voilà, on est ici dans la bataille entre la P7 et la P10. De la 5e à la 10e place. Je dis une bêtise. Allez, Mathis qui se fait attaquer à l'intérieur par Eric Ramirez. Eric qui a la trajectoire plutôt intérieure, peut-être la trajectoire la plus favorable, mais c'est pas gagné, hein, même à l'extérieur. Voilà, la piste est large.
on ressort avec une bonne vitesse aussi quand on est un petit peu extérieur. On va le voir, vous voyez. Donc c'est compliqué de doubler. Allez, ils se sont rangés un petit peu, peut-être calmés. Non, Eric revient un petit peu à la bataille. Allez, on a déjà fait 17 tours, les amis, sur les 80. On aura bientôt fait 25% de la course. Oulala, ça touche un peu là avec Mathis qui a été touché, Thomas. Et du coup, c'est Eric qui en profite. Et oui, du coup, Eric en a profité pour passer tout le monde. Voilà, et s'est emparé de la P5, 3 places, suite à la petite erreur, à la petite touchette entre Thomas et Mathis. Il a pris un petit peu une bonne avance. Et du coup, derrière, bah, ça continue un petit peu à se chicorer. Voilà, c'est les fous furieux, là, effectivement. Ça commence à glisser un petit peu pour Thomas. Ou qui perd des places, il y en a qui en profitent aussi. Et du coup, c'est Jordan Le Dirache lui aussi qui a profité un petit peu de la bataille entre Mathis et Thomas, hein, qui voilà, ont perdu vachement du temps. Et du coup, les adversaires. Oh là 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 là, Jordan qui a été touché le mur. C'est pas bon pour l'aéro ici. Et du coup, qui se refait passer à l'intérieur ici par Mathis et sûrement par Thomas qui va embrayer. Et essayer de faire la même chose. Voilà, je peux voir, Arnaud est toujours en tête, a toujours plus d'une demi-seconde d'avance. Presque une seconde, Mathis, Florian a 2 secondes derrière, il y a un petit trou avec Eric Ramirez aussi. Voilà, c'est là où on a le feed le plus serré sur les places hautes, où ça bataille un petit peu ici avec Jordan, voilà, mais qui s'est fait repasser aussi par Thomas Boivin. Et Mathis, voilà, qui a repris la P8. Ouh, ça, qui c'est qui s'est écarté? Ça revient sur la piste, là, c'est qui? Hop, j'ai loupé. C'est Loïc, c'est ça? Non, j'ai pas la bonne voiture. Non. Peut-être Marco. Avec Marco. Allez, 25% le quart de la course a été parcouru. Toujours en tête Arnaud Barrios, suivi derrière de Jérôme Durand qui est à 0,6 secondes derrière Mathis à 0,8 qui a l'air de revenir sur Jérôme. On va peut-être rester un petit moment, voir si Mathis fait peut-être le forcing. C'est vrai que sur la moyenne des derniers tours, il est plus rapide que Jérôme. On voit qu'il se rapproche, ça se rapproche. Ça va y aller, extérieur pour Mathis, qui va essayer d'aller chipper la deuxième place à Jérôme. Voilà, est-ce qu'il va ressortir plus vite? Ouais. Avec une heure, ça, où ça a l'air de glisser un petit peu. Non, ce ne sera pas pour ce virage. Allez, on va essayer de vivre ça de l'intérieur, les amis. Vous le voyez, c'est pas simple hein, de doubler ici. Hein. Allez, Mathis qui va essayer de porter peut-être une attaque ici dans ce tour-là, prochain tour peut-être. Ah, ça me semble encore un petit peu loin. Ouais, effectivement, les pneus vont commencer à bien chauffer. Ça va peut-être glisser. Vous avez raison. Ah, neutralisé. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé?
Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Ici, j'ai Matisse. Voilà, c'est ici Matisse qui touche avec Jérôme. Voilà. Est-ce que c'est ça qui a fait la neutralisation? J'en suis pas certain. C'est peut-être après. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà, c'est peut-être ici. On va revenir un petit peu en arrière sur Thomas Dary. Parce que c'est lui qui est parti à la faute. En voulant éviter du monde. Parce que c'était déjà parti. Ah voilà, on va le voir. Hop, hop, hop. C'était ici. Effectivement, j'étais trop vite. C'est avec Pierre. Ça se touche encore. Matisse, Pierre, ouais, Pierre qui remonte sur Luc Trocmé, et voilà. Non, c'est pas Pierre 192, je dis une bêtise, c'est. Si, si, c'est bien Pierre. Voilà ce qui s'est passé, les amis. Voilà la raison de ce yellow. Allez, on va revenir au direct. Est-ce que ça va piter, chers amis? Est-ce que ça va rentrer ou pas? Alors, ouais, Arnaud qui rentre. Oui, allez, j'ai l'impression que tout le field va rentrer. Ouais, tout le monde rentre. Attention à la vitesse. A priori, tout le monde rentre au pit. Je vérifie quand même. Ah, je lui ai dit la ligne droite qui est longue. Allez, c'est parti. Allez, puis j'ai l'ensemble du feed qui s'est arrêté, a priori. Allez, ça repart. Ouf, Matisse qui a dû prendre la deuxième place. Je suis pas sûr. Non, eh non, j'ai cru en sortie des stands qu'il avait passé Jérôme. Eh ben, c'était pas loin. Ils sont tous les deux. Ouais, Matisse a mis une seconde de moins à son stand, mais comme il était derrière, un peu plus loin, effectivement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi du tout, du tout. Allez, je vous le disais, tout le monde est passé par les pits. Personne n'a cherché à prendre un point de lead. Allez, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Je vous rappelle que nous sommes sur la cinquième manche de l'IFRN Rookies. Nous sommes à Michigan, on a 80 tours à faire. Vous le voyez, on a déjà fait 25 tours. Nous en sommes à notre deuxième drapeau jaune en course. Voilà, les pilotes viennent de ravitailler. N'hésitez pas, les petits follow, si vous avez besoin, si vous regardez la diffusion sur YouTube, le petit pouce, ça permet de mettre en avant un petit peu notre ligue IFRN. Donc, n'hésitez pas non plus. Voilà, allez, on s'apprête. Allez, on se remet en file indienne. On fait de file, comme le veut la tradition. Et nous sommes en 1-2 green. Ça veut dire que à la fin de ce tour, le Pescar va rentrer et la course sera relancée. Il n'y a pas eu de gros changements a priori suite au pit. Ouais, il y en a quelqu'un qui ont gagné quelques places, enfin une ou deux places, une place grand max. Allez, ce que je vais vous proposer, les amis, on va essayer, voilà, de partir sur notre petite caméra embarquée sur Arnaud qui est en première position toujours pour cette relance. Allez, on va arriver dans le virage numéro 4. Le Pescar va pas tarder à s'effacer. Bien sûr, les lumières sont allumées pour nous indiquer qu'il va relancer sur ce tour-là. Allez, tout le monde se resserre.
Allez, let's go les amis, c'est reparti. Allez, ça a l'air de bien partir derrière. Allez, on va essayer de profiter de cet arca et de son joli bruit. Allez, on a eu des petits changements. Puisque là, ça bataille déjà. Eric est passé en troisième position. Je ne sais pas ce qu'il y a eu pour Jérôme Durand. Il y a eu un petit ralentissement. Du coup, Eric a pris la troisième place, Florian est en quatrième position et Thomas Pierce en cinquième, Mathis Thévenin sixième, Jérôme Durand septième position, Loïc Trocmé huitième position, Thomas Dary neuvième position et clôture le top 10, Marco G. Rousseau. Voilà, c'est chaud, Florian qui a envie de repasser. Eric qui bloque bien l'intérieur. Est-ce que Florian va essayer de passer par l'extérieur? Attention de ne pas aller toucher le mur, pas frotter. Ouais, ça va le faire peut-être en sortie. Vitesse. Ouh, c'est chaud. C'est... Ça s'est presque touché. Mais Eric résiste. Florian semble avoir fait le plus dur. Et c'est fait. Il s'empare de la troisième position. Allez, Thomas qui voudrait faire la même chose que Florian, essayer de passer aussi Eric. Arnaud a repris un petit peu de large et est quasiment déjà avec 0,8 secondes d'avance sur Mathis Hébert. Ça sort large là-bas derrière, ça touche un peu. Ouh, ça s'est décollé du mur. Pas de grabuge, pas d'incident. Allez, on va essayer de redescendre un petit peu dans le classement. Pour l'instant. Allez, on va sauter à la dixième position. Avec Marco G. Rousseau ici. Thomas Dary. Et Loïc Trocmé. Marco qui surveille derrière. La bataille devant lui. Compliqué quand les deux se chicorent devant d'essayer de passer si on est plus rapide, il faut être patient, pas faire de bêtises, pas d'erreur, pas faire le forcing, la course est encore longue. Allez, on va continuer à redescendre dans le classement. Jérôme Poisa qui a dû toucher tout à l'heure sur le petit mur, on l'a vu à l'extérieur à la sortie du T2. Maxime Mallet en 12e position, suivi de Dany Momi. Et derrière, petite bataille ici entre Jordan Le Dirache et Yannick Göring qui essaie de lui faire l'intérieur. Ça passe pas. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Voilà, il y a une bonne différence. Pascal Paquet qui est plutôt tout seul pour l'instant. Hein. Derrière, on a François Bett, suivi de Thomas Boivin, qui a bien dégringolé tout à l'heure, hein, qui était plutôt dans la première partie du classement, où ça glisse un petit peu, vous voyez, en délicatesse. Coralie Gauthier, ici en P19, qui essaye d'attaquer pour la 18e place.
Et je crois que ça passe pour Coralie, c'est fait. En bataille avec Marjorie Raoli. Voilà nos deux féminines qui ont passé Damien Clavel, mais qui lui est un tour en retardataire. Effectivement, c'est pour ça, voilà, qui a dû laisser un petit peu passer. Allez, on continue. Laurent Dacostin qui est à un tour. P22. 23e position pour Pierre Martin qui est à 11 tours mais qui est toujours au stand immobilisé. Donc là, c'est cuit, hein, ça fait 10 minutes qu'il est dans les stands. On a aussi, je crois, Olivier Salfranc. Alors hop, j'ai peut-être pas la bonne caméra. Ça ira mieux. Voilà, lui aussi qui est immobilisé depuis 10 minutes. Allez, on revient à la tête de la course. Arnaud qui a maintenant quasiment près d'une seconde d'avance sur Matisse, qui creuse l'écart tout doucettement au fur et à mesure des tours. Toujours Eric en troisième position qui a pris une petite longueur d'avance sur Thomas Pierce, qui lui est toujours sous la menace de Florian Kutzmann. On va rester un petit peu sur cette bataille pour la quatrième position. Arnaud qui a l'air de faire le forcing, effectivement. Allez, Thomas qui défend bien cette P4, qui fait de belles courses, qui a gagné 6 places depuis le départ, ainsi que Eric Ramirez. À noter que pour l'instant, la meilleure progression est à l'actif de Marco Girousso, qui a gagné 10 places, voilà, qui est en 11e position et qui est parti 21e. Allez, Florian Zeller s'impatienter un petit peu là maintenant. Il a envie d'y aller. Tenez bien la casquette, j'ai oublié de vous le dire, les gars, les amis. Ah, il perd un peu de temps, je le voyais plus près. Ça y est, il fait l'intérieur. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça va passer où? C'est à deux doigts de presque de se toucher. Si, c'est bon. Regardez. Thomas. Hop. Ouh là 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 là. C'est chaud. Thomas qui va essayer de refaire l'intérieur. Oui, non. Ah, j'avais pas vu un petit peu le déco du fantôme sur la voiture de Thomas. Effectivement. On va voir ça. Ah bah oui, j'avais pas vu le petit fantôme devant là. J'espère qu'il n'a pas un aspirateur pour aspirer des concurrents quand même. Effectivement, oui, il y avait une bataille de filles un petit peu plus loin. On l'a vu tout à l'heure entre Coralie et Marjorie. Ah, Florian, voilà, qui fait la différence maintenant. Voilà. Florian est passé maintenant. Il a fait sauter, on va dire, le petit bouchon de Thomas. Et Florian qui va essayer de revenir sur Eric Ramirez ou pas. Ils sont ouais, tous les deux quasiment dans les mêmes chronos sur le dernier chrono. Voilà, Eric semble plus rapide sur les 5 derniers tours en moyenne. Mais est-ce que voilà, ça risque de bouger, hein? On a quoi là? On a 14 tours sur les pneus depuis l'arrêt tout à l'heure au tour quasiment 25. Allez, derrière. On a Matisse et Jérôme qui sont en bagarre pour la sixième position. Voilà, les choses se sont un petit peu stabilisées, on va dire, d'une manière générale. Allez, on s'approche tout doucettement de la mi-course. Ça y est, on est même à la mi-course.
Allez, on refait un petit peu le point. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la cinquième manche du championnat 72 Pendik FRN Rookie Series. Nous sommes sur l'Oval de Michigan. Pour 80 tours, on a fait la moitié du chemin. Vous êtes encore nombreux au stream. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Voilà, en termes de météo, la piste a un petit peu baissé. On était, il me semble, tout à l'heure 26 ou 27, je ne sais plus, en température, même un petit peu plus. Donc, bah, c'est une bonne nouvelle. Ça chauffe pas, donc ça glisse pas trop logiquement. Allez, voilà pour la mi-course. J'ai pas fait attention, on va essayer de se repasser. Je vois que Thomas est passé au pit. Pourquoi il est passé au pit? Il a ralenti. Thomas Boivin, il était à un tour. Il est repassé au pit, c'est ça? Ah oui, il re-rentre au pit. Effectivement, tour 40 à mi-course. Assez étonnant. Est-ce qu'il avait du dégât? Est-ce qu'il avait une pénalité? Bizarre, bizarre, on voit la voiture a bien cassé sur l'avant gauche. Ouh, ça freine juste. Mais bon, allez, c'est passé. On revient au direct. Il est toujours au pit, hein. Il est toujours au pit. Ouais, ça fait une minute 20. Peut-être souci pour Thomas. Allez, on revient en tête de la course. Arnaud qui mène toujours. Par contre, Matisse se rapproche. Tout à l'heure, on était pas loin de la seconde. Il reste plus qu'une demi-seconde. Ça veut dire que Matisse est en train de revenir. Voilà, Matisse tourne quasiment un dixième plus vite actuellement que Arnaud. Est-ce qu'Arnaud est en gestion? Est-ce qu'il a trop attaqué avec ses pneus? On va le voir. Donc, d'ici quelques tours, voilà, peut-être qu'on va avoir une bataille pour le lead. Voilà. Ensuite, Eric qui se maintient à une seconde 20 de Arnaud, qui fait une belle course. Eric est en troisième position, course solide de Eric. Quatrième position pour Florian. Florian qui est-ce qu'il revient? Non, non, il revient pas plus sur les autres. Voilà, sur le dernier chrono. Il même permet un petit peu de terrain sur Jérôme Durand. Parce que Jérôme est en train de revenir aussi pour la P4. Et il revient fort, Jérôme, il revient fort là. Il est quasiment dans les échappements de Florian. Est-ce qu'il va y aller là? Ouais, ça a l'air. Ouh, attention que ça ne se touche pas. Allez, c'est bon, ça a l'air d'être passé pour Jérôme. Sur Florian, c'est fait. Allez, Jérôme qui s'empare de la quatrième position. Bon run de Jérôme. Allez, Florian qui accuse un peu le coup maintenant, qui perd du terrain. Voilà, Jérôme qui a l'air d'avoir un bon run, un bon train de pneus. Peut-être bien géré ses pneus. Il est en train de revenir tout doucement. Je regarde un petit peu s'il revient sur Eric. Non, ça n'a pas l'air. Bon, et puis maintenant, on commence à avoir la gestion des retardataires. Qui aussi, il va falloir être vigilant, bien se comprendre. Arnaud qui semble avoir repris quelques chronos. On voit ici la gestion des retardataires. Ouh, c'était chaud là, hein, c'était chaud. Du coup, ça fait les affaires un petit peu de Florian qui a pu recoller sur Jérôme. Mais bon, je pense que Jérôme a un bon run. À mon avis, il est dans son rythme maintenant. Allez, Matisse, lui aussi, qui va devoir se défaire du retardataire. De Laurent D'Agostin.
Allez, c'est fait pour lui. Pas trop perdu de temps. Même chose pour Luc Trocmé, alors intérieur-extérieur. Assez compliqué, retardataire. Vous voyez, un coup dans les virages, c'est intérieur. Dans les lignes droites, c'est extérieur. Il faut être vigilant, vigilant. Je sais plus, la dernière fois, c'est quoi? C'était Arnaud Barrios qui s'était fait surprendre et qui était en tête de la course. Et ça avait mal fini pour lui. Allez, Thomas Pierce aussi, qui doit gérer les retardataires. Qui est en top 10. Alors, je dis retardataire, mais non, c'est Thomas Dary devant, c'est pas un retardataire. Ah, donc là, on est sur la bataille, effectivement, pour la 8e position. Ah, ça se décale derrière, ça attaque. Allez, je reviens là sur Maxime Mallet qui attaquait aussi, qui passe. Qui prend la 10e position sur Thomas Pierce. Qui a l'air d'avoir un bon run. Ça y est, le Perrier est débouché. Les bulles font leur effet. On gagne quelques chevaux, quelques millièmes de seconde. Il y a du monde ici, hein, il y a du monde. Allez, on va reprendre la tête de la course. Matisse s'est énormément rapproché, me semble-t-il, hein, puisqu'il est passé en dessous de la demi-seconde. Et même Eric est revenu aussi. Superbe course d'Eric Ramirez qui revient sur Matisse. C'est peut-être pour ça que Matisse a un petit peu monté le rythme. Eric devenait menaçant, ou il a vraiment un bon run là, Eric. Quelle remontée d'Eric sur Matisse et Arnaud. J'espère qu'il ne va pas trop tirer sur ses pneus. Ah, il attaque Matisse. Matisse qui ne ferme pas la porte, qui ouvre. Ouais, Matif qui est peut-être en souffrance sur ses pneus ou qui est sur la gestion de ses pneus, je sais pas. Mais en tout cas, Eric a vraiment un bon run là. Est-ce qu'il va vouloir aller chercher Arnaud? Allez, Matisse qui s'accroche. Allez, je sais pas si j'étais en live ou pas en live. J'ai eu un petit doute là, effectivement. Bon, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises, que j'ai pas appuyé sur les mauvais boutons. Donc Eric, deuxième position, voilà, qui est à 0,6 de Arnaud. Matisse qui suit derrière. Difficile de savoir effectivement si Matisse est en souffrance avec ses pneus ou est-ce qu'il est en gestion. En tout cas, pour Rick, je dirais que on est à l'attaque, en tout cas. Ça, c'est sûr. Matisse qui lâche pas, en tout cas. Bon, après, on a un bon petit trou quasiment de 3-4 secondes avec Jérôme qui est en quatrième position, Jérôme Durand. Baptiste qui se décale. C'est de l'intimidation ou pas? Ou alors, je suis en train de voir que Thomas Diary a bien dégringolé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de pas trop perdre. On reviendra dessus. On va rester sur la bataille ici pour la deuxième position. Oh, Matisse qui touche le mur là-bas, regardez. Oh là là, eh ben c'en est fini. C'en est fini pour, à mon avis, la victoire pour Matisse. Il reste 26 tours. Ça va lui coûter cher. On va essayer d'aller refaire le point sur Thomas Dary. De ce qui s'est passé.
Alors il s'est arrêté, oui, ok, mais pourquoi? Pourquoi il s'est arrêté, Thomas? Bon, eh ben j'ai pas l'information. J'ai pas l'information, les amis, tant pis. Désolé, hop, on revient en live. Ah, Arnaud, qui se fait passer par Eric? Eric qui est en pleine bourre. Quel beau run de Eric. Qui prend la première place à Arnaud. À 25 tours de l'arrivée. On a fait les trois quarts de la course. Que rebondissement. Mais Arnaud qui rattaque tout de suite. Qui ne veut pas concéder le lead. Il a mené quasiment toute la course. Où ça nous promet un finish. Alors j'espère qu'ils vont pas se toucher. Voilà, que ça va être bien propre. Mais quelle bataille, les amis. Eric est plutôt sur la trajectoire haute. Arnaud en bas. Où on a vu, me semble-t-il, Marjorie Raouli à l'arrêt en bas. Vite fait, je reste sur la bataille. Le spectacle, il est là, les amis. Bataille pour cette première place. Quel run il a. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a failli toucher, ça a failli toucher. Il était lancé. Et en fait, Arnaud pit. Pourquoi Arnaud pit? Qu'est-ce qui se passe? Ça passe pas en termes de fuel. J'ai des. Alors, si j'avais pas les infos, que s'est-il passé pour Arnaud? Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a des réparations? Est-ce qu'on change les pneus? Est-ce qu'on met de l'essence? Allez, je vais revenir sur la tête de la course, sur Eric, qui est toujours en première position, qui a quasiment 2 secondes d'avance. Est-ce que lui aussi va piter? Et oui, mais c'est ça, effectivement. Ah, j'avais pas l'info, le pit, c'est pour ça. Effectivement. Ah, ça a pité, d'accord. Je pensais qu'il allait avoir qu'un seul pit, moi. Oh là là, drapeau jaune, les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Qui a déclenché le yellow? Bon, j'ai pas l'info. Si vous avez vous l'info dans le chat, n'hésitez pas. On va essayer de balayer, de voir si quelqu'un est en vrac. Ah là 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 là. Alors, 59. Oui. Mais pourquoi je n'ai pas l'info du déclenchement? Eh ben écoutez, est-ce que j'avais ça? Non, c'est pas là. On m'annonce un crash pour Arnaud, je pense pas que ce soit ça quand même. C'est peut-être mon interface qui a bugué, les amis, hein. C'est possible ça aussi. Bon, ça me paraît pas ça du tout, hein. En tout cas. Bon, allez, je vais revenir au live. Ben, je suis désolé, mon interface me dit pas ce qui s'est passé. À jouer lié quand c'est tout seul, c'est compliqué d'avoir les yeux de partout, sur tous les boutons, sur toute la télémétrie. Bon, et ben en tout cas, nous avons notre troisième neutralisation. Je sais plus, je crois que c'est Thierry qui nous avait dit trois drapeaux jaunes. Et ben Thierry, pour l'instant, tu es dans le vrai. Tu es dans le vrai. Ah, du coup, ben, tout le monde repasse au pit pour certains. Ah, ça va bouleverser un petit peu les changements. Tout ça. Allez, Florian qui s'arrête, Loïc qui s'arrête, François Best, Thomas Pierce, Marco, ouais, tout le monde qui était devant. Du coup, Arnaud, lui, bah, il n'a plus besoin de s'arrêter puisqu'il s'était arrêté avant. Par contre, est-ce qu'il va reprendre le lead? J'ai un doute. Je pense que oui, hein, je pense que oui, heureusement. Ouais,
Ouais, effectivement, t'as raison, Eric, j'irai voir les highlights. Ah, n'oubliez pas, Eric, notre ami Eric, qui vous fait tous les highlights de toutes les séries. Hein, petit résumé sur 5 minutes de tout ce qui s'est passé, les faits importants et marquants de chaque course. Merci, Eric, pour son boulot. C'est toujours super bien réalisé, en tout cas. Bon, eh ben écoutez, chers amis. On semblait se diriger tranquillement sur la fin de course. Et ben ce yellow vient de remettre un petit peu tout en cause. Voilà, ça veut dire qu'on va repartir pour un run. Allez, grosso modo, d'une grosse quinzaine de tours. Hein. Je vais être super large là-dessus. Hein, puisqu'on va relancer peut-être, je pense, à 18 tours de la fin. Et les cartes sont un petit peu rebattues. Puisque effectivement bah, ce yellow a un petit peu chamboulé tout ça. Alors je vais attendre que ça se réactualise, mais a priori donc nous devrions avoir Matisse Hébert qui est en tête, suivi d'Arnaud Barrios, Éric Ramirez, Jérôme Durand, Florent Kuzman, Loïc Trocmé, Thomas Pire, Jordan Ledirache, Marco Rosso et pour le top 10 François Besse. Voilà, si je ne dis pas de bêtises normalement, mais j'ai vraiment un petit doute. Voilà. Hop, on va repartir sur Matisse, puisque c'est lui qui est en tête. C'est lui qui fait la bonne opération. C'est lui qui fait la bonne opération, du coup. Allez, on est en one to green. Matisse est en pole. Arnaud sera à côté de lui pour la relance. Derrière, Eric qui avait fait une superbe remontée sur la fin du run. Jérôme Durand qui est toujours là, effectivement, ça nous promet un beau spectacle pour cette fin de course. Tout est remis en cause. Je pense que là, ça va chauffer. Allez, on profitera un petit peu de cette relance pour faire cracher les moteurs. Ah, le Pescard qui va s'effacer, ça y est. Les amis, on est parti pour la relance. Et c'est parti! Matisse qui semble avoir fait une belle relance. Ouais. Et Arnaud qui est même en bataille avec Eric et a pris peut-être la deuxième place. Florian qui passe à l'intérieur. Ouh là là, ça risque d'être chaud. Ils arrivent à 3 ici. Pas de bêtises, messieurs. Et Arnaud qui semble par l'extérieur garder et conserver cette deuxième place. Attaqué à l'intérieur par Florian. Florian qui prend cette deuxième place, Arnaud qui va peut-être ressortir avec une plus grosse vitesse de pointe. Non, Florian il remonte effectivement et Arnaud qui replonge à l'intérieur tout de suite. Suivi de Eric qui veut faire la même chose, qui veut s'engouffrer aussi. Allez, on va aller voir ça du point de vue un petit peu d'Eric derrière. Florian qui est passé devant Arnaud. Et Florian, alors on va y aller sur Florian. Ou Arnaud qui touche ici en sortie de T2. Du coup, Eric va essayer d'en profiter. On va aller tout de suite avec Florian qui s'est rapproché de Matisse. Il l'attaque ici dans le turn 4. Florian intérieur, Matisse extérieur.
Eric qui est à troisième position, Arnaud qui a l'air de s'écrouler derrière, qui est en quatrième et qui est même attaqué par Jérôme Durand. Et Florian qui prend la première position devant Matisse. Est-ce que Matisse va essayer tout de suite de rattaquer? Oui, ou ça part en travers, ça bloque un petit peu. Et regardez, on cherche l'aspiration, ça commence. Voilà, il reste plus que 15 tours. Ah, les esprits commencent à s'échauffer. Matisse qui refait l'intérieur sur Florian. Allez, Florian qui va essayer, mais peut-être par l'extérieur. Et puis derrière, on a Eric, Arnaud et Jérôme qui surveillent de tout ça, mais qui essayent de ne pas perdre de place non plus. Et on a en embuscade aussi Thomas Pierce en 6ème position là-bas derrière. Allez, Matisse devant, Florian qui va réessayer ici à l'intérieur. Ouh là là, c'est très très proche. Vraiment très proche, les amis, regardez ça. Hop, il se décale, il va faire l'intérieur sur Matisse. Est-ce que ça va suffire ou pas? Du coup, Eric se rapproche tout doucement vu que les deux sont en bataille. Arnaud derrière Jérôme à l'aspiration. Allez, ça s'anime les amis, on va bientôt rentrer dans les 10 derniers tours. Mais quel beau spectacle ils nous offrent ces pilotes. C'est vraiment très plaisant à regarder. Ouh, ça touche derrière Arnaud qui pousse Jérôme. Hop là là, effectivement, on vient de le voir. Hop, on va revenir un petit peu. Regardez, hop, ici, effectivement. Et ça touche, effectivement. Et voilà, on a l'explication. Allez, on va revoir cette nouvelle fois au ralenti. Hop, et voyez, hop, et le mal est fait, le mal est fait. Arnaud qui a voulu décroiser, voulu ressortir avec une plus grande vitesse, je pense. Mais il a peut-être été un petit peu trop optimiste. Voilà, et là, ça pardonne pas. Pof, ça touche. Allez. Ça touche et puis voilà, et Jérôme forcément part en travers. Voilà, bon, vous en profitez, hein. Vous avez des doses judiciaires, la Looney Tunes, là vous êtes au top, vous avez tout vu les amis. Arnaud qui vient toucher le mur aussi. Voilà ce qui s'est passé les amis. Allez, on revient au direct. Bon, et ben écoutez, quatrième drapeau jaune. Voilà, que d'animation sur cette fin de course. Voilà, on avait une superbe bataille là pour le top 5 là, entre les 5 pilotes. Voilà, ça devait peut-être craquer un petit peu à un moment donné. C'était très très proche. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Est-ce que ça va piter? Est-ce que ça pite, les amis? Oui, ça pite. Tout le monde rentre au pit. Alors là, est-ce qu'on va avoir des stratégies un petit peu osées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui vont prendre que deux pneus? Peut-être. On va surveiller ça. On va essayer de surveiller ça de plus près. Ah oui, il restera 7 tours peut-être, 8, 9, 7 tours à la relance. Il y en a peut-être qui vont essayer, on va voir. On va voir si c'est le cas. Hop, ça repart, ça repart. Florian devant. 10, Eric. Ou Arnaud, oui, effectivement, qui a pris. Ou ça se touche là-bas, on l'a vu derrière aussi. Ou il me semble que ça s'est touché. Allez, est-ce qu'on a des stratégies un petit peu osées? Eh bien, écoutez, oui, oui, oui. Nous avons des gens qui n'ont pas ravitaillé, hein, si je ne me trompe pas. Loïc n'a pas ravitaillé, a priori. Il n'a pas ravitaillé, donc il se retrouve en tête de la course. Ouh là là, gros pari pour Loïc, effectivement. Alors, sachant qu'il a que 9 tours dans ses pneus, donc ça parie qu'il peut peut-être être gagnant. On a que de rebondissements pour cette fin de course. En deuxième position, du coup, on a François Besse qui lui aussi n'a pas ravitaillé, si je ne dis pas de bêtises. Hein, ils n'ont pas pité. On a Jordan Ledira qui est en troisième position qui lui aussi n'a pas pité. Pascal Paquet
J'ai été trop vite là, hein. Oui, j'ai été trop vite. Ouais, ça va aller, ça va être mieux comme ça. Alors, attendez, il faut que ça se réactualise, je ne suis pas sûr. J'ai bien normalement Jordan qui est en troisième position, je vous l'ai dit. En quatrième position, normalement, j'ai Pascal Paquet. Pourquoi on m'annonce. Ah, attendez. Bon, on va attendre que ça se réactualise un petit peu. Mais là, c'est assez surprenant, les amis. Donc, j'ai en tête Loïc Trocmé. Deuxième position pour François Besse. Troisième, Jordan Le Dirac. Quatrième, Pascal Paquet. Cinquième, Marjorie Raoli. Sixième pour Florent Kuzman. Donc, le premier, voilà. Puis Mathis, Eric, Mathis Thévenin, Arnaud Barrios. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a cinq pilotes qui n'ont pas ravitaillé. Ça veut dire que ceux qui sont passés et qui au stand Florian, Matisse, etc. Eric vont devoir gérer cette relance de gens avec des pneus un petit peu plus usés, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Les amis, je vous cache pas, je ne sais pas si on n'est pas à l'abri d'autres yellow, mais quel suspense pour les quelques tours qui nous restent, puisque si je dis pas de bêtises, il va nous rester 8 tours à la relance à peu près. Ça fait maintenant 55 minutes qu'on tourne sur cet ovale, qu'on est ensemble, les amis, et vous. Vous voyez que de rebondissements et quelle fin de course haletante nous allons vivre. Ça risque d'être un petit peu chaud, chaud, chaud. Hein. On va se mettre sur le leader, effectivement. Et on va espérer que la relance se passe bien. Le Pescard va pas tarder à rentrer. Et c'est une bonne stratégie qu'ils ont fait. C'est un gros risque. On va voir si ça paye. Allez. Allez, on est parti les amis, ça relance, ouh, ça touche un peu derrière, ça se tasse derrière, ça s'est décalé, il reste 9 tours. Loïc qui est toujours en tête, ouh là là, ça chicore dans tous les sens, ouh là là, ça part en crash Arnaud, ouh là 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 là, les amis, les amis, les amis, je vous l'ai dit, ça devait arriver, ça devait arriver. On va essayer de voir ce qui se passe, hop, on va rembobiner un petit peu d'où ça part effectivement. Voilà, c'est parti un petit peu en vrac dans tous les sens. Voilà, ça tasse derrière. On voit Eric Ramirez qui pousse devant. Voilà, on a quasiment du 4 de front. Arnaud qui essaie de passer sur la ligne extérieure. Et là, c'est quel moment ça se touche un petit peu plus. Ah, là, on voit ça. Est-ce que j'ai une autre caméra un petit peu plus. Ah, non, ça va être compliqué. Eh oui, 145, c'est Marjorie qui se fait, je crois, toucher. Et qui doit partir et qui va remonter sur l'ovale et qui est touché par. Alors, j'arrive pas à voir le numéro, mais c'est un petit peu en zoom. Et oui, et Marjorie qui se fait percuter effectivement et qui part en travers, on le voit ici. Forcément, qui va remonter. Arnaud, pauvre, qui n'a demandé rien à personne, qui va se retrouver à récupérer Marjorie sur l'arrière et ça le fait partir en travers. Voilà, bon. Ça devait, voilà, moi je sentais que ça couvait les amis, voilà, et puis derrière ça s'enchaîne un petit peu à gauche ou à droite, malheureusement, hein, ici, c'est clair, Arnaud qui redescend, voilà, ça touche à nouveau, oh là 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 là, quelle fin de course, messieurs dames, quelle fin de course, allez, j'avais oublié de vous mettre, c'était le replay, ouais, j'ai du mal, j'ai du mal, allez, on va revenir au direct, on va revenir au direct. Hop, du coup, bah, Loïc a gardé sa première position. Bah, c'est tout bénef pour lui parce que du coup, eh ben voilà, je pense qu'on va relancer. Il restera peut-être 5 tours. 5 tours. Donc le pari risque peut-être d'être payant. Payant. Matisse a pu remonter à la quatrième place. Il est passé au travers des gouttes. Donc bonne nouvelle pour lui. Matisse Hébert, pardon. Matisse Thévenin aussi. Jérôme Poisat, Eric Ramirez, Thomas Pierce. Ouais. Donc du coup, on a juste devant Loïc, François Besse et Jordan qui n'ont pas ravitaillé. Bon, j'ai bien peur que si ça, il n'y a pas de yellow outre mesure, que Matisse ne fasse qu'une bouchée de ces gens-là qui n'ont pas changé les pneus. Ouais. Effectivement, on voit dans le chat, effectivement, la deuxième ligne qui n'a vraiment pas décollé, hein, ce qui a provoqué un petit peu ce tassement derrière. Et ses problèmes. Ouf, et ben écoutez, je reprends mes esprits parce que alors là, ah, voilà, moi je le sentais venir, je le sentais venir. Et du coup, je ne sais pas, je suis plus si on est au quatrième, je crois même on est au cinquième, hein, il me semble que c'est notre cinquième yellow.
Voilà, on avait fait un bon début de course, voilà, pas trop assuré, un premier yellow à 25 tours. Voilà, on a eu des gros runs jusqu'à la séance un petit peu de ravitaillement où là où un nouveau yellow s'est déclenché. Et puis ben là, comme on dit souvent, hein, les yellows appellent les yellows, les drapeaux jaunes entraînent les drapeaux jaunes. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que pour ceux qui ont fait le pari de ne pas s'arrêter tout à l'heure, bah, c'est un pari qui est un peu plus payant maintenant, puisque bah, avec ce nouveau drapeau jaune, ils ont gagné 2-3 tours de lead. Et ben bah, oui, il restera aux autres derrière simplement que 5 tours pour essayer de passer. Alors 5 tours, c'est long, hein. On est quand même à Michigan, un miles de un oval pardon, de 2 miles, 3 km 2. On a le temps de se refaire. Mais bon. On l'a vu, hein, tout peut arriver, on l'a vu avec ce pauvre Arnaud qui a demandé rien à personne. Voilà, mais c'est vrai que quand on est 3, 4 de front, à un moment donné, forcément, ça risque de ne pas passer. Ça, c'est clair. Bon, allez. Allez, on est en 1-2 green, la course va être relancée. Mais que de suspense, que de rebondissements, les amis, pour cette fin de course. Voilà, Arnaud qui est en 10e, 9e position. Allez, on va embarquer avec Loïc. On va regarder ça de l'arrière, un petit peu voir sa relance. On vous rappelle que sur cette série, il n'y a pas de zone de restart particulière comme sur les autres séries supérieures. Là, c'est vraiment le leader qui relance au moment où il veut. Allez, on voit Matisse juste ici sur la gauche. À mon avis, il va essayer de profiter tout de suite des premiers instants pour revenir et reprendre le lead. On va essayer de regarder ça. Allez, c'est parti. Allez, Matisse qui est tout de suite là. Voilà, qui s'est dépassé à l'extérieur tout de suite. Loïc qui garde bien l'intérieur. Avec Mathis Thévenin qui prend la deuxième position. Qui est passé devant Mathis Hébert. Ouais, je pense que Loïc va avoir vraiment du mal à tenir de toute façon. Ça c'est clair. Les pneus frais et les pneus usés font la différence. J'espère que ça ne se tassera pas trop derrière, qu'il n'y aura pas de problème. Ah, Loïc qui a un bon coup, il y a quand même 5 tours à tenir, ça va être compliqué pour lui, mais sait-on jamais, en tout cas ça va lui faire malgré tout un superbe résultat. Ah. Il a gagné 12 places depuis le départ, mais là je pense que face à Matisse, enfin à nos deux Matisse, parce qu'il est suivi par la bande des Matisse, voilà Arnaud qui est repassé en quatrième position, qui semble un peu loin, sur 4 tours ça va être compliqué. J'espère qu'on va vivre ça à la bataille sous drapeau vert et non pas sur drapeau jaune, ça serait dommage. Et ça se file derrière. Ouais. Là, la bataille, elle est là pour la victoire, en tout cas. Ouais, je pense qu'ils vont essayer de faire l'extérieur. Ils ont les pneus un petit peu plus frais, ça devrait le faire. Ouais, Loïc qui va pas pouvoir faire grand-chose malgré tout, qui défend. Et c'est bien. Ouh là là, ça touche pour les deux Matisse. Voilà, c'est du 3 de front. Matisse. Hébert qui est au milieu, qui repasse à l'intérieur. Mathis Thévenin, deuxième position sur l'extérieur. Et Loïc. Effectivement, ça y est, bon, pour Loïc, c'est cuit. Il a fait ce qu'il a pu. Allez, il reste plus que 3 tours. Mathis Hébert qui a repris le lead. Allez, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est compliqué, ouais. Matisse qui semble un petit peu faire le forcing maintenant. Ouais, Matisse qui a vraiment pris le large. Allez, on est à 2 tours de la fin de cette 5e manche sur la 72 Penting FL Rookie Series. Si vous arrivez, bah écoutez, vous arrivez à la fin de la course, vous avez loupé plein de trucs, n'hésitez pas à aller voir le replay. Matisse Hébert a repris la première place et a l'air de s'envoler pour une nouvelle victoire. Suivi derrière de Matisse Thévenin qui nous fait une belle course, 5 places de gagné depuis le départ. Voilà, mais qui n'a pas pu résister. Un Loïc
Laprocq, mais qui, malgré qu'il n'est pas ravitaillé, maintient sa troisième position. Je suis même pas sûr que Arnaud puisse aller le chercher. Donc c'est lui qui fait la bonne opération de ce coup stratégique, hein, de ne pas piter, effectivement. Allez, je reviens sur la tête, il reste plus qu'un tour. On est avec Matisse. Et voilà. Allez, turn 3. Turn 4. Voilà, sauf problème pour Matisse Hébert. La course ne devrait pas lui échapper. Et voilà les amis. Eh ben les amis, que de rebondissements derrière. Là-dessus, one to green. J'ai mon interface qui bug complètement. Forcément, on n'a même pas eu le drapeau de bord. Mais enfin bon, c'est la fin de course, il n'y a pas de problème. Eh bien écoutez, chers amis, voilà, le verdict est tombé sur l'ovale de Michigan. Une nouvelle fois, si j'ose dire. Monsieur Matisse Hébert s'impose pour la cinquième fois dans ce championnat. 5 courses, 5 victoires. Ça a été quand même un petit peu compliqué, je pense, pour lui. Donc, on verra un petit peu à l'interview. Voilà, il y a eu des hauts et des bas. Voilà, il me semblait un petit peu en recul au départ. Est-ce qu'il y avait de la gestion? On essaiera un petit peu de lui poser toutes ces questions. Mais en tout cas, pour lui, c'est une cinquième victoire, tout simplement. Alors, je vais récapituler un petit peu avec vous ce classement de cette course de Michigan. Donc, en tête, premier, Matisse Hébert, suivi de Matisse Denver en deuxième position, gain de 5 places par rapport au départ. Troisième position avec une stratégie osée, mais qui a payé, Loïc Trocmé, qui finit sur le podium en troisième position. Arnaud Barrios, malgré ses déboires, qui finit une quatrième place. Et cinquième position, qui clôture le top 5 pour Marco Gerusso. Bonne opération aussi pour Marco, belle course, etc. 16 places de gagner. Course solide de Marco avec les incidents, on est passé un petit peu au travers aussi pour certains. Eric Ramirez qui termine en 6ème position, voilà, il y a eu des petits déboires, etc. Il était bien bien classé avant l'autre drapeau jaune, hein, effectivement. François Besse 7ème, Jérôme Poisa 8ème, Jordan Le Dirache 9ème, Jérôme Durand 10ème, voilà pour le top 10. On continue derrière en 11ème position. Nous avons donc Pascal Paquet, 12e pour Thomas Pierce, 13e Marjorie Gauthier, une belle 13e place de notre féminine. Thomas Dary finit en 14e position, Dani Momi pour le top 15. 16e position pour Laurent D'Acosta, Damien Clavet 17e position, 10e position pour Yannick Göring, Marjorie termine en 19e position, le top 20 Florian Kuzman qui a dégringolé malheureusement suite à ses crashs et ses déboires. 21e position pour Maxime Mallet, 22e position pour Olivier Salfranc, Thomas Boinvin, 23e position, Pierre Martin, qui est loin, 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 avec les déboires du départ aussi, 24e position, Damien Pribeski, 25e, 26e position pour Laurent Delahaye, et qui clôture ce classement en 27e position pour Philippe de Vallée. Et voilà, et Matisse qui est en train de savourer et célébrer sa victoire, je dirais, ici sur le gros tapot à damier. Tout simplement. Allez, on va essayer de revenir un petit peu en arrière. Voilà, pour Matisse. Tac, tac, tac. Bon, allez, j'espère que Matisse va venir nous rejoindre. Je ne sais pas s'il faut que j'aille le chercher ou est-ce qu'il va venir tout seul. Si quelqu'un dans le chat ou peut lui faire passer le message qu'il est attendu dans la zone mixte d'interview. Hein, c'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est pas sûr. Tout simplement. Allez, hop, hop, hop. Alors, Matisse, il est où? Je vais lui envoyer un petit message. Il est où? Il est là. Allez. Allez, tac, tac, tac. Allez, le message, il est envoyé. On va attendre qu'il puisse nous rejoindre. Avoir ses impressions. Suite à cette cinquième victoire, hein, les amis. Alors, je ne sais plus où c'est qu'il en est un petit peu dans son record. Je ne sais plus qui voulait battre, effectivement. Voilà. Allez, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. On essaiera de faire ça. Alors, est-ce que Matisse arrive ou pas?
Là. Salut Matisse, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bon, eh ben écoute, ça va. Eh ben écoute, déjà félicitations pour cette nouvelle victoire et cinquième victoire consécutive, mais qui était peut-être un petit peu plus compliquée celle-là. Très compliqué. En essai, c'est vrai que j'étais dans les meilleurs temps et j'ai loupé ma qualif. J'étais trop peu sûr de moi. Et c'est vrai que mon cinquième, ça reste quand même une bonne perf, entre guillemets. Mais ouais, j'aurais pu faire mieux, c'est clair. Mais bon, cinquième, c'est pas non plus dégueulasse, si on peut quand même se refaire. Départ prudent, je sais que je pouvais en doubler 2-3 parce que je savais qu'ils avaient un rythme un peu inférieur. Puis après vient Jérôme Durand et Arnaud, pardon. Ouais. Et là, il faut se suivre. Et en fait, je me suis beaucoup entraîné comparé aux autres courses pour gérer mes pneus comparé à Charlotte. Je savais que j'étais un peu en déclin à Charlotte sur Ouais, ça. Et j'ai vraiment cherché à avoir mon rythme, pas forcé. c'est Et c'est l'impression que quand tu même. donnais en tout cas, voilà, moi de vue de l'extérieur, je me disais, tiens, il est plutôt en gestion, c'est l'impression que ça donnait. Donc tu le confirmes bien, effectivement, voilà, t'as bien roulé donc pour jouer cette économie-là, quoi. J'ai vu dans le premier relais qu'on a eu juste après le premier jaune, j'arrivais à revenir tranquillement sur Jérôme et Arnaud. Et c'était bien. Puis après, le deuxième relais, c'était moi, Arnaud et Eric qui étaient devant, surtout. Parce que Jérôme a eu un problème, je ne sais pas ce qu'il a eu. Et je sais qu'Eric est très très bon gestionnaire de pneus et ça allait être compliqué avec lui. Je le remets tranquillement sur Arnaud et en s'approchant un peu trop près, je perdais l'avant. Et Ouais. du coup, il y a eu 2-3 sous-virages sur deux virages, donc presque consécutifs. Donc, quand j'ai vu Eric revenir sur moi, je vais faire un extérieur pour laisser passer Eric et du coup le suivre et pour revenir sur Arnaud. Ça va à peu près marcher jusqu'à que je me prends le mur. Ouais, on a Donc, vu je prends le ça. petit mur. J'ai eu beaucoup de chance parce que je trouvais que ça tapait fort parce qu'il y a le renfort du mur quand le virage arrive et j'ai bien tapé violemment. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu que 3 secondes optionnelles et Ouais, de aucun l'extérieur, je problème. pensais qu'il y avait plus de mal. Je me suis dit, oh là là, c'est un petit peu foutu. Il a Ah bon, vachement frotté, donc il n'y a pas eu trop de dégâts, donc tant mieux. dès que j'ai tapé, ah, c'est fini. Ouais. Donc, bon, c'est pas grave. Hein. Comme je dis, on a une course joker en cas où. J'ai vraiment dans ma tête, c'était tant pis, c'est comme ça. Et puis voilà, on peut arriver à faire les erreurs. Je rentre au stand du coup sur ce tour-là et je vois que 3 secondes d'optionnel. Je fais, oh, ça va en fait. Ça va. Donc, Ouais. juste après, je suis ressorti des stands. Je fais mon tour rapide, mon meilleur tour à ce moment-là, en sortant des stands. Et là, drapeau jaune, alors que Eric et Arnaud n'ont pas fait un seul tour avec leurs pneus, le pneu neuf. Donc, du coup, je fais, ah, j'ai des pneus un peu plus usés. Ça a été un peu plus compliqué sur la fin de course, il n'y a plus de jaune. Et là, on a une belle remarque de. J'ai vu une belle voiture, violette et bleue, je crois, de Florian. Ouais. C'est vrai que Florian a très bien roulé, il a très bien attaqué. J'étais étonné, franchement. Je m'attendais pas à le retrouver là. Je m'attendais à Arnaud ou à Eric. Et non, c'était super sympa de voir une autre tête qui arrive devant. Ah, c'est vrai que vous étiez presque 5-6 pilotes, alors un super rythme et ça donnait des super bagarres en tout cas. C'est ça. Et arrive le dernier jaune. C'est là que je peux dire que j'ai fait ma seule erreur. C'est-à-dire que je suis rentré au stand parce que je voulais rentrer au stand, mais en fait j'étais derrière Marjorie au restart. Et en fait elle n'est pas partie, donc je lui ai donné un petit coup déjà, un premier coup, j'ai relâché. Et quand je suis redonné les gaz, j'allais encore plus vite qu'elle encore une fois. Et je fais bon, je vais doubler. Et j'ai doublé avant la ligne, donc je me suis déboîté avant la ligne, donc je sais que je risque d'avoir un avertissement ou même la pénale, parce que je crois que j'ai eu un Ah, c'est avertissement comme clair ça. que les admins Donc, vont regarder les restarts, ça c'est sûr, je te non, confirme. là je le sais, donc je sais déjà que par ici je vais sûrement me choper une petite pénalité. Mais bon, j'avoue, je connais ma faute, j'ai déjà remarqué, je fais la deuxième fois que je repars et que je suis encore rapide que Marjorie, je fais ouais, c'est bon, je vais pas rester derrière parce qu'il y avait tout le monde derrière, il y avait Mathis, il y avait Arnaud, il y avait Eric, je fais ah, sinon ils vont me doubler du coup. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé parce que du coup, j'ai vu dans mon rétro Marjorie partir en tête à queue sur la droite et on va dire que mes principaux rivaux n'ont pas eu de chance. Hein. Donc, on va dire que j'ai beaucoup de réussite. Ouais, est-ce que t'as quand même, je dirais, un petit peu douté sur ce dernier yellow? Il te restait 5 tours, tu dis non, ça va le faire, parce qu'il y avait quand même 3-4 pilotes qui n'ont pas pité, qui ont pris le risque, dont Loïc Tromé, qui fait un superbe résultat d'ailleurs. Oui, je savais que c'était un peu moins rapide, donc je me dis, de toute façon, aux 5 tours, 4 voitures, avec mes pneus neufs, ils avaient des pneus moins neufs aussi, donc je me dis, de toute façon, tant que je bats mes rivales au championnat, ça m'irait très bien, et j'ai eu un peu de chance de doubler facilement une première voiture. Il y avait Mathis qui m'a doublé,
Et Matic a fait ses meilleurs points en course sur les derniers tours, j'ai remarqué. Et mais ben oui, donc je prends cette victoire. Mais c'était des belles batailles, ce qu'on aimerait trouver jusqu'à la fin du championnat, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'après on avait quand même un Noval qui est Michigan qui est propice à la bataille. On n'est presque pas loin du Super Speedway en exagérant, hein, là-dessus c'est assez large. Donc ça nous a pris des belles batailles et tu as raison de le souligner là-dessus. Bon, et en tout cas, alors du coup tu en es combien là? Parce que tu sais que tu avais annoncé que tu gagnais tout, mais par rapport au petit record que tu veux battre, il en reste encore un peu quelques-unes, non? À 9. C'est 9, c'est ça? Attends. Je suis 5 victoires là. J'ai mal compté. Faudrait que je regarde la Ah bah saison alors, dernière, mais je crois bon, que je suis à 10 victoires en tout. ok, bon, c'est vrai que semaine prochaine, un petit peu d'appréhension, parce que c'est vrai qu'on va retourner sur du short track, si je me trompe pas, on va aller à Thompson, donc il va y avoir aussi du split, à mon avis, c'est quelque chose que tu vas travailler un petit peu ou pas du tout? Travailler le circuit comme tous les autres circuits, mais c'est vrai que les tout petits circuits, c'est les plus accidentogènes. Donc j'ai encore une course joker, entre guillemets, parce que comme j'ai que des victoires, si je fais un résultat blanc, il y aura ma course qui va sauter. Donc Oui, on va dire t'as que vraiment cette marge de sécurité voilà, aujourd'hui. je peux quand même faire une erreur, une grosse erreur, que je ruine ma course, et derrière, je vais avoir à peu près le même nombre de points qu'actuellement. Donc je peux facilement finir après dans le top 15, 12 points, ça devrait passer pour le championnat. D'accord. Donc voilà, je suis bien à 10 victoires de suite, non? De 8 victoires de suite et 10 victoires en tout. Voilà. Bon, il va falloir sortir la calculette, hein, ça devient Ah, c'est bon, compliqué. j'ai regardé là le calendrier, c'est ça. Bon, allez, nickel. Je suis à Bon, 10 victoires. eh ben écoute, Mathis, merci d'être passé nous voir. Encore félicitations pour cette nouvelle victoire. Et puis, ben écoute, normalement, on se donne rendez-vous, pourquoi pas, peut-être sur la semaine prochaine sur Tosson, une nouvelle victoire ou pas. Tu deviens l'homme à abattre, hein, fais attention. Malheureusement, ouais. Hein. Bon, allez, merci Merci. Mathis, salut à toi. Merci. Parfait, voilà. Et ben écoutez, en même temps, j'ai convié un autre pilote à nous rejoindre, en l'occurrence, monsieur Loïc Trocmé. Salut Loïc. Salut, Hervé. Bon, ça, je prononce bien le nom, je me trompe pas. Parfait, Bon, nickel. déjà, parce que tu sais, j'ai toujours un peu de mal, etc. Et écoute, bah, Y a pas de problème. merci d'être passé nous voir, effectivement. Bah, écoutez, moi, je voulais t'avoir parce que, bah, effectivement, quelle stratégie de fin de course, Loïc? Bah, c'était pas prévu en fait, je voulais rentrer en même temps que les autres et Ouais, raconte-nous. en fait je cherche les points et comme les points un point est important en fin de saison, je me suis dit pourquoi pas aller le chercher et au final bah, je suis pas rentré et voilà quoi. Et tu t'es dit quand même que t'allais un peu plus dégringoler que ça ou pas? Quand j'étais en tête, oui. Ouais. Oui, quand même. Oui. Surtout que j'ai vu derrière que ça rentrait au pit et après le crash qu'il y a eu, je me suis dit oui quand même. Donc après c'est une stratégie à avoir. J'ai pris la bonne. Ouais, alors Après tu n'étais c'est. pas tout seul hein, dans cette stratégie, vous étiez 3-4 pilotes effectivement là-dessus. Alors c'est vrai que malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas de quel côté on se place, effectivement, à ta première relance, tout de suite d'ailleurs, il y a eu un petit jaune, donc tu as pu gagner un C'est petit peu ça, ouais. quelques tours et quelques marges pour ce résultat, hein, très honnêtement. Et moi, félicitations, parce qu'effectivement, moi je pensais que tu allais descendre un petit peu plus, hein. Il y avait quoi à peu près allez, une dizaine de tours, grosso modo, sur les pneus, le fait de ne pas avoir ravitaillé. Hein. Ouais, je me suis dit, j'ai pas. Enfin, les pneus ont pas beaucoup usé, parce que j'ai pris une bonne trajectoire. Et le fait de prendre une bonne trajectoire, ça m'a permis de moins user les pneus. Je me suis dit, pourquoi pas, et ça a payé. Bon, eh ben écoute, c'est bien. Comme quoi, eh ben parfois les stratégies ça marche pas, parfois c'est compliqué. Mais celle-ci, elle a marché en tout cas. Bravo, félicitations de cette belle troisième Merci. place. Et puis écoute, bah, semaine prochaine, Thompson, je sais pas, tu seras présent semaine prochaine sur Thompson? Oh oui, Bon. oui, Et short track, je serai là. t'apprécies moyen. C'est des courses à prendre, hein. Faut chercher les points. Ouais, c'est sûr, ça c'est des points, t'as entièrement raison, on sait pas lesquels, mais en tout cas il y a des points à la clé, ça c'est sûr. C'est ça passe sous sa case, comme on Ouais, dit. tu fais un petit peu des préparations particulières par rapport un petit peu à ce championnat, Loïc, ou pas? Fais des entraînements, oui, des entraînements le dimanche, quand j'ai un peu le temps, et en semaine quand Voilà. j'ai aussi un peu le temps. Parce que si je me trompe pas, Loïc, tu n'es pas dans un team,
Ah, tu es en wildcard. J'étais dans une team, mais je l'ai quitté, du Ah, tu coup, l'as ouais, du quitté. Pardon, coup, bah, écoute, j'avais pas l'historique, je dirais, Non, mais il n'y a aucun là-dessus. problème. Bon, voilà, mais Non, il n'y a aucun c'était un problème. choix, non, de partir en wildcard ou tu cherches une Oui, c'est nouvelle un choix écurie pour normal. l'année prochaine? L'année prochaine, je crois que c'est acté, mais faut que D'accord. je reparle. Bon, Je ok, sais pas, je suis pas encore sûr. y a rien Il d'officiel, n'y a c'est rien d'officiel, officieux, tu veux pas nous lâcher le Rien morceau, on va signé. attendre un peu, quoi, c'est ça, quoi. J'ai pas signé de papier. Bon, les papiers sont pas signés, effectivement. Bah, déjà, on a la primeur de cette info et ça, c'est du genre super sympa. Bon, et ben, en tout cas, Loïc, merci beaucoup d'être passé. Encore félicitations pour cette troisième position. Voilà, et puis, bah, écoute, une bonne course pour la semaine prochaine sur Thompson. Je pense que la course sera splittée, hein, semble-t-il, si vous êtes trop nombreux, Oui, comme si, d'habitude. oui. Hein, voilà, ce Enfin, je sera la pense que règle de cette série. si c'est plus de 25 pilotes, on sera splitté. C'est exactement ça, effectivement. Bon, allez, je te laisse aller fixer cette troisième place avec modération, bien entendu, chers amis, là-dessus. Salut à toi, Loïc. Merci beaucoup d'être passé. Merci Hervé de l'invitation. Merci. Pas de souci. Bon, eh bien écoutez, les amis, voilà. Ben voilà, je voulais mettre un petit peu Loïc, effectivement, en avant par rapport un petit peu à cette stratégie qui est payante. Ben voilà, c'est aussi ça la NASCAR, hein. Il faut aller vite, mais il y a de la stratégie, c'est de l'endurance. Il faut gérer un petit peu ça, il faut gérer le trafic. Donc ça, c'est super agréable dans le principe. Alors, je vais juste aller jeter un petit coup d'œil, les amis, de voir s'il y a eu une mise à jour. Alors, des classements, je ne suis pas certain. Non, je vois que c'est pas forcément à jour. Donc, eh ben, je ne ferai pas forcément le point sur ce classement, puisqu'il n'y a pas de mise à jour. Le temps que Cyril mette tout ça en ligne, vous aurez ça, je pense, demain, bien entendu. Et puis, bah, de toute façon, semaine prochaine, on refera la petite présentation qui va bien replanter le décor, comme d'habitude, là-dessus. Voilà, en tout cas, chers amis, merci à tous ceux qui sont passés dans le chat, qui nous ont fait coucou, qui sont restés avec nous. Voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle que dès la fin de la retransmission, vous avez le replay tout de suite sur Twitch. J'essaie de vous mettre ça pour demain matin sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, pour l'IFRN, pour ceux qui voudraient tenter l'aventure de cette IFRN NASCAR. Voilà, on le rappelle, hein, c'est une série qui est totalement gratuite. Sur la série Rookie, voilà, c'est le mini-championnat de cette course. Vous pouvez venir vous essayer à tout ça. Vous voyez, ça nous donne des résultats et un très 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 beau spectacle. Mon ami David, ben, n'a pas forcément eu le temps de passer. On le retrouvera sûrement. Je pense dès la semaine prochaine. Voilà, comme on le disait, effectivement, s'il y aura plus de 25 pilotes, comme le prévoit le règlement de l'IFRN des Rookies, il y aura un split, c'est-à-dire qu'on partagera les participants. On verra quel split on peut retransmettre. Peut-être que quelqu'un d'autre transmettra le deuxième split, je ne sais pas. Ce sera un petit peu la surprise. Bon, eh ben écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai tout dit, les amis. Voilà, donc le verdict est tombé pour cette manche du Michigan, cinquième manche. Il nous reste encore deux course pour la fin de ce championnat. On rappelle aussi, hein, que notre sponsor, la 72 Pentig, offrira une peinture pour le vainqueur du championnat 2022 pour sa montée sur la série supérieure, c'est-à-dire la série Ignite avec le truck. Et donc tout ça fait par notre ami Johan Margot, qu'on salue au passage. Voilà, et eh ben écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Merci à tous. Merci pour les follow, merci pour les petits messages dans le chat. J'espère que j'ai pas trop fait de boulettes en étant seul un petit peu aux commandes. Ça n'a pas toujours été simple, mais bon, on s'y retrouve à peu près. Et puis bah écoutez, bah les amis, je vous lance le petit générique de fin. Et puis bah on se retrouve normalement la semaine prochaine. Allez, bye bye, salut à tous, merci à vous et à bientôt.